Regarde, Rémi, voilà un poids d'eau. Si on pêchait. Bonne idée. Tu crois qu'on va en attraper un? Tu sais pêcher, toi? Moi, je sais pas très bien pêcher. Tu sais comment on pêche, toi? J'espère que je vais en attraper un. Tu crois que tu vas en attraper un, toi? Oh tiens, j'ai pêché une perche. Oh, mais comment t'as fait? Moi, je ne parle pas et je ne bouge pas ma cam. D'accord, on va réessayer. Ah, ça y est, j'en ai attrapé un. Excusez-moi, est-ce que vous auriez quelque chose à manger pour moi? Oui, si tu veux. Parce que j'ai marché beaucoup et je suis très fatiguée. Oui, bien sûr, tu peux t'installer. Mais il faut se taire parce que sinon tu vas faire fuir le poisson. Taisez-vous. Aussi, il faut se taire parce qu'il y a les oiseaux, les écureuils, il y a tous les animaux de la forêt, donc faut se taire. On va respirer l'air et on va écouter les oiseaux. C'est quand même cool le silence. On a qu'à aller leur chercher un bouquet. Ah oui, fort. Voilà. Sans faire. Tenez. Tenez. Merci. Ce serait chouette qu'on fasse comme à l'école. Ce serait dans le calme. Oui, tu as raison. Parce que comme ça, on aurait moins à étudier. Je suis d'accord. Et vous? Oui. On va être en retard. T'as vu en classe, c'est vraiment cool avec le silence. Oui, c'est vrai que c'est plus cool. En plus, on entend mieux le prof. Et on a moins mal à la tête. Et on apprend mieux la matière. T'as pas tort. Communiquer sans parler. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.